AIH base doctrinale, leçon numéro 6, création. Je dis à nous parler sur création. Hein. Pour nous commencer, nous faut connaître que création, hein, c'est une réalité. Eh bien, pour ça, nous gagnons un titre. Titre là pour je dis à c'est avec Christ là, bon Dieu créé toute bagaille. Titre leçon, hein, c'est à Christ là, bon Dieu créé toute bagaille. Maintenant, on avance avec une lecture. Lecture leçon pour aujourd'hui, hein, c'est Colossiens chapitre 1, verset 15 à continuer. Colossiens 1, 15 à continuer. Dans toute leçon, nous avons choisi un texte que nous appelons le texte d'or. Ça veut dire que c'est pour valeur le texte en gain pour les gens qui intéressés. Nous avons vu dans Colossiens 1, verset 16, ainsi que ouvrir Bibou et garder ensemble avec nous. Naval dit deux fois. Premièrement, c'est à Christ là, bon Dieu, créé tout ça qui est dans le ciel là, avec sous la terre. Ça nous ouais, avec ça nous pas ouais. C'est à lui, il crée tout l'esprit qui chita abdominé, qui a autorité, qui chef et puis qui a pouvoir. C'est à Christ là, bon Dieu, te créé tout et puis c'est pour lui, il te créé. Voilà. Ouais, bon monde qui dit moi, est-ce qu'on pensait nous qu'on tout ça dans la tête? Non. Je dis oui, il y a des gens qui aiment plus que ça, il y a des gens qui sont joueurs. Pour raison ça, on apprend une deuxième fois. Et puis ça, ou même après, on apprend autant de fois capable jusqu'à ce que vous mémorisez. Colossiens 1, verset 16. C'est à Christ là, bon Dieu te créé tout ça dans le ciel là, et sous la terre. Ça nous oué, et ça nous pas oué. C'est à lui, il crée tout l'esprit qui chita abdominé, qui a autorité. Qui chef et puis qui gagne pouvoir. C'est à Christ là, bon Dieu te créé tout et puis c'est pour lui, il te créé. Maintenant, nous allons avancer, les nous finissons sortir dans le texte de leçon 1. Il est important pour nous faire un coup d'œil sur lecture leçon 1. Lecture leçon 1 que nous avons vu tout à l'heure, que nous jouons, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 15 là. Ok? Colossiens 1, verset 15 à continuer. Eh bien, c'est là que nous avons verset 15. Christ c'est portrait bon Dieu. Bon Dieu nous pas ka wè a. C'est lui-même qui premier petite li. Il était là avant tout ça bon Dieu te créé. C'est à qui bon Dieu te créé tout ça dans le ciel là et sur la terre. Ça nous wè et ça nous pas wè. C'est à qui il créé tout l'esprit qui chita abdominé, qui gain autorité, qui chef et puis qui gain pouvoir. C'est à Christ là bon Dieu te créé tout et puis c'est pour lui il te créé. Verset 17, Christ là était là avant toute bagaille. C'est dans lui yo tout yo joine place yo. C'est lui qui tête l'église là, l'église là c'est col. C'est lui même qui bail corps à la vie, c'est lui même en premier qui t'est levé sorti vivant dans la mort pour te ka gain première place dans toute bagaille. C'est bon Dieu même qui t'est voulu pour toute sa lié ya, c'est ça pour Christ là lié tout. C'est très bien qu'on y a entré dans développement leçon. C'est très important. Nous sommes introduction, hein, nous lecture. Hein. Maintenant, nous partons avec développement leçon. Hein. Pour commencer, nous avons parlé de création, hein, ou bien nous avons parlé de création. Nous avons connu que création, hein, c'est une réalité. On a parlé avec la Bible dans nous pour nous voir est-ce que ça nous dit que nous connaissons. Création, hein, sont réalité. Bon Dieu te prend 6 jours pour te réaliser. Tout bagaille selon Genèse 1 avec Genèse 2. Sa Bible raconte sous création, ce n'est pas un fablier, mais ni ce n'est pas un symbole, mais c'est une réalité. C'est un travail, bon Dieu même. C'est à Christ là, bon Dieu de créer tout bagaille ça. C'est sa Bible a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. C'est avec Christ là, bon Dieu te créé tout ça dans le ciel là et sur la terre. Ça nous oué et ça nous pas oué. C'est avec lui, il créé tout l'esprit qui chita abdominé, qui a autorité, qui chef et puis qui a pouvoir. C'est à Christ là, bon Dieu te créé tout. Et puis, c'est pour lui qui te créé. Christ là, te là avant tout bagay. C'est dans lui, tout, yo jwenn place yo. Maintenant, on va avancer. Création, hein, c'est une réalité. La Bible dit nous là,
Bon Dieu pas garder sous rien pour te copier. Le bon Dieu a fait ciel là avec terre, pas besoin rien pour te copier. Tant que moi avec vous, il t'a créé monde à propre mail et Bible a dit non, monde c'est portrait bon Dieu. Mais monde c'est descendant Adam avec Ève qui c'est premier parent race humaine. Selon Jean 1 verset 3, il dit c'est à parole là bon Dieu fait toute bagaille. Dans tout ça qui t'est fait, pas bien rien qui t'est fait sans parole là. Mais comment ça t'est? Il est important pour connaître. Dans le commencement, bon Dieu créé ciel là à terre. La terre pas bien forme, il pas bien rien sous lui. Fait noir te couvrir tout partout. L'esprit bon Dieu t'a plané sous l'eau qui te couvrit toute la terre. C'est ça, nous jouons dans Genèse chapitre 1er. En avance puis devant pour nous capables qui ça réservé pour nous. Nous voulons parler pour nous de trois premiers jours création. Dans trois premiers jours création, nous sommes capables de dire que c'était rassemblage des matériaux. Ouais ça. Premier jour, bon Dieu fait lumière. Genèse 1er, verset 3 avec 5. Mais ça le dit là. Bon Dieu dit, c'est pour lumière faite. Et puis lumière a été faite. Bon Dieu, ouais, lumière a été bon. Bon Dieu mette lumière en bas. Il mette fait noir en l'autre bas. Bon Dieu, il lumière à la journée. Dire les faits noirs dans la nuit. On a regardé dans le deuxième jour qui s'est passé. Deuxième jour, bon Dieu fait ciel là. Genèse 1er, verset 6 à 9. Bon Dieu dit encore, c'est pour gagner une voûte dans la nuit de l'eau pour séparer de l'eau en deux. Bon Dieu fait voûte là séparer de l'eau en deux. Une partie en haut voûte là, on l'autre partie en bas. C'est comme ça, ça t'est passé. N'a pas avancé qu'on y a dans le troisième jour. Bien, on a parlé là des trois premiers jours qui sont jours côté que nous sommes capables de parler de rassemblage de matériaux. Troisième jour, bon Dieu mette terre dans l'ordre normal. Il crée toute qualité plante. Mais sa Bible a dit, bon Dieu dit encore, c'est pour l'eau qui en bas ciel là sembler un seul côté pour côté qui sec là qu'apparaît. C'est comme ça t'est passé. Bon Dieu relé côté qui sec la terre, il relé pile l'eau en mer. Bon Dieu garder ça le fait à l'eau elle bon. Bon Dieu dit c'est pour terre pousser toute qualité plante, zèbre, plante qui bail grain, pied bois qui bail fruit à toute graine et puis c'est comme ça ça t'est passé. Nous à peine sauté trois premiers jours là. Maintenant en ouais quatrième jour pour arriver sixième jour. T'as dit trois autres jours encore. Sorti quatrième jour pour arriver sixième jour, qui s'est passé? Nous sommes capables de lire ça, construction, jour de construction. Regardez pour vous. Dans quatrième jour, bon Dieu fait soleil, la lune et les étoiles. Rappelez-vous que vous avez dit non, bon Dieu fait lumière. Si vous dites bon Dieu fait lumière, dans le premier jour, rappelez-vous, est-ce que l'important pour dans quatrième jour, là, vous avez dit non, bon Dieu fait soleil, la lune avec les étoiles. Comme ça, vous pouvez comprendre. Nous tournons dans le premier jour encore. Nous tournons dans le premier et travail qui était fait là. Côté que le premier matériel qui était placé là, et bien nous manquons pour nous capables de travailler. C'est une lumière, bon Dieu, c'est pour lumière faite. Mais maintenant, dans la construction qu'on a là, bon Dieu a mis tout le bagage dans l'ordre. Mais ça, la Bible dit, dans Genèse 1er, 14 à 19, bon Dieu dit encore, c'est pour lumière paraître dans le ciel là, pour séparer la journée avec la nuit. Il a servi pour marquer le jour. L'année yo, saison yo, y a servi lumière dans ciel là pour éclairer toute la terre. C'est comme ça t'est passé. Bon Dieu fait deux gros lumières, puis goa pour commander sous la journée, puis bitia pour commander sous la nuit. Il fait étoiles yo tout, il mette yo dans ciel là pour éclairer la terre. Ça c'est ça la Bible dit en ce qui concerne quatrième jour. Maintenant, on avance. Nous toujours dans entre quatrième et sixième jour. Maintenant, on arrive dans cinquième jour pour nous voir qui s'est passé. Cinquième jour, bon Dieu fait bête qui nage et bête qui vole. Non, cinquième jour. La Bible dit, bon Dieu dit encore, c'est pour de l'eau calée en pile bête vivant. C'est pour les oiseaux voler dans le ciel là en hauteur. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon Dieu crée gros bête là mais yo, toute qualité bête vivant qui nage dans de l'eau ensemble avec d'autres qualités oiseaux. Bon Dieu garde ça le fait, li ou elle bon. Bon Dieu béni yo, bon Dieu dit, fais petit, fais en pile petit, plein de l'eau en mer. C'est pour les oiseaux, fais en pile petit, tout
sous terre. Ok? Ça, c'est ça qui passait dans le cinquième jour. Maintenant, on nous arrive rapide dans le sixième jour. Dans le sixième jour, mais ça va la dire. Dans le sixième jour, bon Dieu fait toute qualité bête. Bête dans le bois, bête yogade, bête qui traîne souvent, et puis il crée le monde. Dans Genèse, chapitre 1er, 24 à continuer. Mais ça Bible dit, bon Dieu dit encore, c'est pour te caler toute qualité bête vivant. Bête yogade, bête qui traîne souvent, bête dans le bois, et puis il dit, c'est comme ça, ça te passe. Bon Dieu dit encore, on fait le monde. On a fait le portrait avec nous, pour le sembler avec nous. La gen pouvoir sous poisson qui dans la mer, sous oiseau qui dans le ciel, sous toute bête yo gade, sous toute la terre, sous toute bête dans bois, sous toute bête qui traîne sous ventre, sous terre. Ça c'est dans le sixième jour à Mela. Bon Dieu créé moun, li fait le portrait à lui. Li créé yo garçon avec fille, li ba yo bénédiction, et puis li dit fais petit, fais un pile petit, mettez sous terre, domptez terre. Ça c'est ça qui passait dans sixième jour. Maintenant, qui ça a dit? Comme ça, bon Dieu prend 3 jours pour rassembler toute bagaille et il prend 3 jours pour construire toute bagaille. Maintenant, frère avec Semyo, merci que ça a été bon pour vous, pour être capable de information ça yo. Maintenant, nous allons entrer dans le septième jour, côté nous allons voir bon Dieu l'y poser. Bon Dieu posé. Bon Dieu posé et nous te demandé est-ce que bon Dieu posé vrai? Comme ça, bon Dieu te fin fait ciel la terre, ça m'a tout ça là-dedans. Sous 6 jours, bon Dieu te fin fait tout ça l'a fait. Septième jour, il suspend le travail, il bénit septième jour, il met la part pour lui. Parce que ce jour, ça, il te suspend le travail. Après, il te fin créer tout ça l'a créé. Je parle là de premier temps, côté que toute bagaille était normale et parfait. Rappelons, tout ça te créé, bon Dieu dit. Yo bon, délivré sur l'homme, il dit sa bonne. C'est peut-être ça, nous jouons tout dans Exode 20, verset 11. Seigneur a béni jour et pour il mettait à pas pour lui. Il mettait à pas pour lui. Maintenant, moi espérer que rapide, nous te ouais qui ça qui gagnait dans la création hein, pendant 7 jours. Mais nous voulons avancer avec un petit classe en plus. Rappelons, un petit classe en plus, son thème que. Et ailleurs gagné et on l'aime de bon même on 40 jours sous lui. Nous même qui gagne confiance dans bon Dieu, nous allons entrer côté pour nous poser comme nous à clé. Ce côté ça, il t'a parlé, il t'a dit, il t'a fait colère. Tu fais seulement, yo pas jamais mettre pied au côté pour nous poser koyo ensemble avec moi. Bon Dieu t'a parlé comme ça, mais lui même, il t'a fini faire travail lui depuis le temps créer le monde. Parce que, mais ça qui est écrit, il y a l'autre côté dans le livre là, sous le septième jour. Septième jour, bon Dieu pose le col, après il a fait tout le travail lié. Hébreu 4, verset 4 à 5. Dans la révélation là, nous avons passé avec vous. Mais, je dis que la révélation ça, nous avons joué dans les commentaires que vous avez fait, ou bien des demandes que vous avez fait, ou bien dans quelques études bibliques que nous avons qui est spécialement pesé sur ça. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler sur la création. Nous faisons un petit en plus encore. Nous avons Aldi Jufio, c'est Jésus oui, qui t'a guéri. C'est peut-être ça, Jufio t'a même persécuté Jésus parce qu'il t'a fait ça en jour repos. Alors, si nous avons un texte ça pour nous comparer avec Eboya, nous avons un pile bas qu'on t'a dit là. Ok? Nous avons Aldi Jufio, c'est Jésus qui t'a guéri. Peut-être ça, je fais autant mes persécuter Jésus parce qu'il te fait ça en jour repos. Mais Jésus répond yo, c'est tout temps papa m'a travail, moi même tout m'a travail. Maintenant là ou ka wè qui ça qui vient là pour nous régler, ou ka wè qui coïncidence qui vient là, ou ka wè qui devoir qui vient là pour m'ta parler ou même tout capable parler sous lui, on côté lui dit bon Dieu fin fait tout ça t'a fait même dans Hébreu là dans Nouveau Testament, si n'a regardé encore, Hébreu dit nous comme ça. Bon Dieu, dans Hébreu chapitre 4, verset 4-5 là, c'est nous même arrivé dans verset 4 là. Bon Dieu te parlé comme ça, mais lui-même, il te fin fait travail li depuis l'elle t'a créé le monde. Vous savez bien, oui? Bon Dieu te fin fait travail li depuis l'elle t'a créé le monde. C'est ça, auteur Hébreu a dit. C'est ça, tout auteur et Ancien Testament qui c'est Exode là, dit nous tout. Mais dans Nouveau Testament là, si nous regardons bien après, là, et nom blanc al 18 yo c'est Jésus qui t'a guéri.
C'est peut-être ça, je fais autant même persécuter Jésus. Pour qui ça? Parce que Jésus te fait ça en jour repos. Mais Jésus répond, yo, c'est tout temps papa m'a travail, moi-même tout m'a travail. Prends Bibou, regardez dans Jean 5, verset 15 et à 17. Et puis fais comparaison avec deux premiers textes pour est-ce que pas gagné en pile travail que nous avons fait là. N'a pas campé là parce que nous avons parlé seulement de la création. Moi j'espère que bon Dieu dans mon lit, dans miséricorde lit, il est capable de bénir avec toute grâce. Moi je suis content d'avoir ce serviteur ou pasteur Laurent Lolo.